Bonjour, je m'appelle Francis Rimbert, saltimbanque, passionné de clavier depuis toujours et qui a eu la chance d'avoir la vie d'avoir l'itinéraire d'un musicien gâté, puisque j'ai pu travailler avec une grande personne et rencontrer énormément de gens. Mais ça foisonne d'idées, quoi. On sent que la musique électronique reste quand même un domaine où il y a tout à faire, tout est encore à faire. Ce qu'il faut par contre pas oublier, n'oublions pas de faire de la musique avec, surtout. Apprendre la musique d'abord, d'accord? Si tu pouvais faire un petit effort, juste un petit effort de quelques mois, hein, je vais te donner 12 mois de rencontrer un bon professeur de piano par exemple, d'avoir quelques bases des touches noires et blanches, ça aide énormément. Et la deuxième chose, parle avec des gens, rencontre des gens qui ont des synthés, parle avec eux et fais ton choix par rapport à des gens. C'est comme ça que la plupart fonctionnent, quoi. Tu rencontres un copain qui dit « Oh là là, j'ai le dernier machin !» Et là, tu le vois faire, tu as envie de le prendre, quoi. Je pense que quand même, la base, c'est d'avoir un bon clavier maître. Maintenant, il en existe dans toutes les marques, pas très cher. Un bon clavier maître déjà qui va te permettre de t'interconnecter avec ce que tu vas acheter par la suite.